Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Crossout, chers amis, troisième épisode de cette session. Nous allons donc tenter une approche directe. Hop, voilà, sans utiliser nos munitions. Maintenant qu'on a amélioré notre véhicule, on fait beaucoup plus de dégâts au contact, chers amis. Hop, désolé. Ok. C'est un copain. Est-ce qu'il y en a par là? Effectivement, il y en avait un. Allez, tourne. Hop les crac. Joli son véhicule, lui. Hop les boum. Défense successful. Alors j'imagine que ça va être soit celui-là, soit l'autre. Je pencherai plutôt pour celui-là. Voilà. Ennemi à l'heure actuelle 0. Nouvelle vague dans 20 secondes. Enfin 2 secondes. Plus qu'à attendre qu'ils viennent alors. Faut pas que je siffle au micro, je pense. Ce n'est pas grave. Vous adorez quand je siffle. C'est faux, mais bon. Hop, je rapproche juste légèrement le micro de ma bûche. De ma petite bûche qui vous parle toujours de manière très sensuelle. Donc voilà. Bon. Merde, j'arrive pas à me piloter comme il faut. Hop. Crac. Il y a Ferrette qui fait une quantité de dégâts complètement incroyable. Qui fait du easy pour la forme. Raté. Hop. Kill assist, c'est pas grave. Alors, viens voir papa. Hop, les deux, 1. Crac. Les deux, enfin, on a, je sais plus combien, on a 3 assistances. Je suis le plus mauvais du groupe. Si on peut dire ça comme ça. Il reste un ennemi dans le coin. Il s'est coincé dans un mur. Je vous raconte pas. Bon. Alors t'es où? Ok, défense successful. Non, ça va être un autre point, j'imagine. Il y en a un ici, non? Non, même pas. Ah merde. Ça fait loin. Hop. Crac, ça passe. L'avantage c'est qu'on risque d'arriver derrière nos ennemis. Ce qui est plutôt une bonne chose. Hop les. Hop. On cherche le... Oh non. Le buisson. Buisson versus voiture, buisson wins. Hop les. Oh là là. Ah. Boum. Boum.
Allez. Boum. C'est un peu moins agile maintenant que j'ai perdu une roue. Hop. Ok. Crac. Hop, pardon. Voici donc le fameux boss, je présume. Ok, c'est pas nous qui l'aurons, hein. Voilà, GG. GG à lui, bien joué. Bon, ben voilà des choses. Ben retour au garage, chers amis. Voilà. Hop, et on repart dans un autre. On repart dans un autre, chers amis. Crac, raid. C'est parti, on a encore 3 pièces à choper aujourd'hui. Enfin, 3 coupons, pardon. 3 coupons. Ne nous trompons pas, 3 coupons. Alors, ça va être quoi? Protect the structures from raid. Encore? Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors. C'est parti! Ah, c'est les mêmes en plus, cool! Ferrette, ouais, ouais, c'est les mêmes. Alors, est-ce que c'est des joueurs du coup? Est-ce que c'est des robots? Oh, je l'ai raté. Alors là, ça me vexe, mais à un point, chers amis. Je n'avais véritablement aucune idée d'à quel point ça me vexe. Vraiment aucune idée. Ok. Nouvelle vague. Ils sont là-bas, d'accord. Bah écoutez, pourquoi pas. Et de 1 en moins, et de 2. Allez, meurs. Ah, ils me l'ont enlevé au début. Ah, ils me l'ont enlevé. Non. Ils me l'ont pété. Je peux plus faire de cac, ils me l'ont cassé. Non. Bon. Oui, je sais. Ma voiture, c'est un scooter avec un moteur de temps. Tout à fait. Tout à fait. Un de ces quatre, je vous mettrai un bon gros bruit de comment de Lamborghini ou de d'une bonne grosse voiture de sport et vous l'aurez tous dans le fion. Vous m'entendez? Tous droit dans le fion. Parce que bon, c'est vrai qu'elle a fait surtout un bruit de tracteur en fait, hein, quand on y pense. Hein. Hop, on y va. On n'est pas en avance, dépêchez. Tu veux que je te pousse? Je te double. Il répond ce con. Hop, et de 1. Boum. Il m'a niqué une roue ce sac. Hop, 2 roues même. C'est moi. En deux roues. J'ai pas encore compris comment je fais pour tourner, mais c'est pas grave. J'aimerais éviter qu'on me passe devant quand je tire sur mes ennemis. Oh nom de Dieu. C'est la ruée vers l'ouest. Comment ils foncent dedans, genre ils ont pas de vie. Nous vivons pour détruire des structures. Ok. Défense successful. What? Oh la grosse déco.
Oh, la déconnexion qui va le faire rager, là, à mon avis. Allez, on pousse. Allez. Oh, il y a le moins de cailloux, je m'arrête. Hein. On est dans le désert. Niveau cailloux, je suis servi, normalement. Oh là là. Non, une brindille. Une brindille. Oh, la gueule. J'arrive. J'arrive. Je serai là, attends. J'aurai, vous êtes le côté de la map. Oh, putain. Il y a une côte. Si je connaissais le con qui a mis une côte. Putain. Y'a quelqu'un qui peut sortir pousser. Il faudrait qu'on vienne pousser derrière. Je suis à fond de cale, chers amis. Deux. Oh, puis il va y avoir le boss en plus sur cette vague. Si j'arrive pas à venir protéger le truc. Attendez, on est en descente, on accélère. Peut-être une chance. Il y aura une descente là-bas, faut qu'on passe par la droite. Tourne. Allez. Oh non. Non, des graviers. Attention, the boss is close. Oh mince. Je fais ce que je peux, les mecs. J'arrive. C'est moi qui ferai le kill final. Oui. Accélération de ouf. Et arrêt. C'est le gravillon. Le petit bout de... Oh là 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 là. Je suis à fond de cale, chers amis. Oh là là. Allez. Non. Pas dans ce sens là. Mais non, mais qu'il est con. Ah, je vais aller tout droit. Tout droit, ça descend. Je devrais pouvoir aller vite. Si je peux au moins. Défense successful. Bah dis donc, bien joué les mecs. Hein. Bien joué, bien joué. Wouh. Bon. 400 points, resaved. D'accord. Why not, hein. Et donc, on a obtenu des choses un peu particulières, normalement. Faction, imaginons qu'on voudrait aller là. Il en faut un paquet. Ok. Moi, je suis plus intéressé par les nomades, ils sont stylés. Même les scavengers sont rigolos. Mais les nomades sont stylés. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Machine gun, autocannon, the reaper. Eh ouais, les mecs. Eh ouais, les mecs. Bon. Ça met dans l'ambiance. Et niveau véhicule, ils ont quoi? Oh, gros moteur. Niveau véhicule, ils ont quoi? I am the wanderer. Oh, the wanderer. I am the wanderer. Ah, mais j'aime préférer les véhicules 2, en fait. Ouf. Bon. Je pense que c'est sur une base de véhicules comme ça qu'on pourrait se mettre un canon en fait. Enfin, qu'on ait ce véhicule là en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il nous faudrait, chers amis. Sachant que plus on va débloquer de niveau, forcément, plus de leur côté aussi on va débloquer des véhicules. Pour finir avec ça. Wouhou. C'est la fête. C'est véritablement la fête. Hein. Sinon ici, oui, on a oui, le fameux scorpion. J'ai bien envie de retenter un coup avec ça. Ça c'est combien de points? 150, putain. Bon. PA Scorpion, je peux me le carrer dans le Fion. Market, on n'avait rien trouvé de véritablement probant. De toute façon, tant qu'on n'a pas le niveau 10 au final, c'est pas épique. Ok. Eh ben, on repart dedans. On a encore du machin à se faire, on peut pas faire plus ici de ce côté-là, c'est dommage. Bon, alors on repart en mission. Allez, on repart comme ça. Ça va nous changer un petit peu. En plus, c'est quasiment instantané. Bah là, ça va être encore plus instantané d'ailleurs. Ok, bon. Vivement qu'on soit au niveau 10, qu'on puisse vraiment se refaire un autre véhicule. C'est véritablement une nécessité.
Ok. On y va. On y va. On va bourrer ces... attendez. Bon, on va suivre lui. Oh, ça tiroille. Non! Désolé. C'est cheaté. T'es où? Ils sont complètement cheatés ces mecs. Oh! Bon! On n'est pas dans la merde! Hop! Voilà, merci de revenir. Plus tard. Il manque une roue à l'arrière. Eh merde. Ok, je vais rush. Tentative de rush. Faut absolument qu'on aille prendre la base ennemie. Pourquoi je suis aussi rapide et aussi balèze, mais bon. What? M'en fous. Ah merde. On avait potentiellement gagné, chers amis. Aïe. À le prochain coup, je suis mort. Ça. Non, tire pas. Parfait. Non, quelle défaite. Dommage. Bon, on repart encore des points. Ça donne envie de rester dans la battle, hein. Ça donne envie de rester dedans. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. Je sais pas combien, ouais, ça doit faire à peu près une vingtaine de minutes d'épisode là. On va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour ces aventures. Salut les gens. Et moi je raye l'épisode. Voilà. Voilà, c'est fait. Salut.